Je pense que la situation est telle, ils en ont tellement conscience que les têtes sont baissées et que on n'a pas besoin d'en rajouter pour faire le point sur la situation et sur ce que va être notre fin de saison. Donc, nous avons laisser passer une opportunité, une nouvelle opportunité de faire quelque chose, car pendant toute une partie de ce match, on a été pas intéressant, mais disons que les cartes étaient brouillées et nous avons laissé entrevoir un certain nombre de choses, sauf que nous avons été maladroits dans nos choix techniques et tactiques. Et sur le plan individuel, nous avons commis quelques erreurs qui nous ont mis à mal, qui nous ont mis dans une difficulté supplémentaire dont on se serait bien passé. Oui. Oui. C'était une envie d'aller chercher un petit peu plus haut et d'utiliser le couloir dans le dos de nos adversaires et de jouer dans un premier temps avec deux garçons devant qui puissent alternativement prendre la profondeur et venir en appui de nos milieux de terrain pour pouvoir solliciter le ballon et nous créer les espaces sur le côté. On l'a fait très peu de fois et de façon assez maladroite. Et donc, voilà, c'est pour ça que nous avons procédé à tous les changements que nous avons faits sur le plan offensif et pour essayer de trouver un plus juste équilibre qui a été délicat toute la partie. La copie, finalement, a été plutôt cohérente ce soir, mais en même temps, il manquait un petit peu les ingrédients qu'on cherche un Alors, peu depuis le début de saison, finalement. voilà. Vous m'avez posé la question, vous y avez répondu en même temps. Vous savez, après, en football, on a le ballon et on n'a pas le ballon. On n'a pas le ballon souvent. Quand on a le ballon, il faut être en mesure de l'utiliser dans de bonnes conditions. Alors, je ne dis pas qu'on doit tout réussir, mais on doit être davantage dans cette possession-là qu'on peut évaluer à 100% dans notre possession. Il faut être efficace, au moins dans la passe, sur 70 à 80%. Nous, c'est 60 ou 65% d'erreurs. Donc, dans l'enchaînement. Donc, on a un problème latent à ce niveau-là. Après, quand on relance le jeu, on doit se mettre dans des dispositions qui nous permettent de pouvoir attaquer dans de bonnes conditions. Quand on relance le jeu et que les ballons arrivent gorgés d'eau parce qu'ils sont passés dans les nuages pour retomber sur des joueurs, je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour pouvoir nous permettre de pouvoir d'attaquer dans de bonnes dispositions. Je suis navré de dire cela, mais c'est une réalité. Quand vous voyez le ballon qui monte dans les nuages et qui redescend sans force pour soi-disant permettre à nos attaquants de jouer le ballon, ils auraient pu en jouer un peu plus et dans de meilleures dispositions, mais bon, c'est problématique. Voilà. Est-ce que c'est des matchs aussi pour les joueurs qui ont démarré comme Samuel, comme Nesta, qui peuvent servir d'apprentissage pour la suite, puisqu'il faut déjà quand même un peu préparer l'avenir? Alors, oui, ce sont des matchs qui doivent leur servir. Encore faut-il se pencher sur les réels problèmes de notre inefficacité. Voilà. Bon, l'un et l'autre, dans différents registres, ont de temps en temps fait preuve d'incohérence dans l'utilisation. Bon, on peut, leur jeune âge, on peut essayer de. Mais on ne joue pas au football non plus quand on a 30 ans. Hein. Je pense que c'est quand on a 30 ans, c'est quasiment la fin. Quand on a 21, 22 ou 23, on a juste l'âge de jouer. Qu'est-ce que vous attendez finalement de vos joueurs à ce stade de la saison avec ce bilan comptable? Ben,
On attend que quand même on fasse preuve un peu d'amour propre. Je ne suis pas à remettre en question leur combativité et trucs comme ça, mais pour un certain nombre de joueurs, je voudrais qu'on arrive quand même à essayer d'avoir cette volonté de surpassement et cette volonté de réussir quelque chose. Je crois qu'un certain nombre d'entre eux sortent de cette rencontre frustrés. Mais bon, voilà, au football, on joue 11 contre 11, on ne joue pas 4-5 contre 11.